Bienvenue pour À Bon Port. Nous sommes dans le port de Mahon, aux îles Baléares, sur l'île de Minorque, avec à mes côtés un ami, on va dire, de presque 30 ans, Jean-René Banvaart. Jean-René Banvaart, qui est actuellement sur un bateau classique qui s'appelle Chinook, un bateau magnifique. Chinook, vous nous expliquerez, ça vient plutôt de la côte nord-ouest des États-Unis. Et donc vous êtes ici pour naviguer avant tout. Ah oui, oui, ça c'est le but premier. C'est pour naviguer et se faire plaisir à la voile, voilà. Et ben Chinook, ça vient des Indiens d'Amérique du Nord. C'était un vent, une tribu et en même temps maintenant encore un poisson. Voilà, un Chinook, voilà. Alors vous êtes invité régulièrement sur ce bateau qui appartient, je crois, à un de vos amis. Oui, oui, le bateau appartient à Graham Walker, avec qui on a fait quelques Admiral's Cup à l'époque. Quand on sponsorisait l'Admiral's Cup et des bateaux Corum, voilà. Alors il faut préciser, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, que vous avez été longtemps le directeur général, le CEO, le patron de la marque emblématique horlogère Corum, et puis que vous connaissez très bien le sport voile, et que vous l'avez pratiqué depuis longtemps et que vous le pratiquez toujours. Oui, oui, depuis tout gamin, quoi. J'ai aimé la voile, je suis né près d'un lac, on n'a pas arrêté d'essayer d'aller sur l'eau d'une façon ou d'une autre. Et puis, les choses avançant, quand j'ai pris la direction de Corum, après mon père, j'ai essayé d'amener un peu de voile dans notre entreprise sous forme de sponsoring de voile. Et comme on a dessiné une montre qui s'appelle l'Admiral's Cup avec les drapeaux nautiques, on a fait le lien, quoi. C'était tout trouvé, quoi. Voilà. Donc les années 90, les années 90 ont été des années fortes pour vous en termes de sponsoring. Ah oui, très. D'ailleurs, pendant plus de 10 ans, voire ouais, 15 ans, on a fait pratiquement avec les bateaux Corum les courses un peu partout, on a gagné un peu tout et ça a été une belle progression aussi de la marque et du modèle. Le modèle Admiral's Cup était devenu, je pense, un des modèles les plus vendus de notre marque. Donc, on se souvient de l'Admiral's Cup qui était un peu en fait la Coupe Davis de la voile et notamment en 1993-93, vous avez gagné. Je crois bien que c'est 91. Ah, 91, excellent, 91, absolument. on l'a défendu en 93 et on a fait, je crois qu'on a fait deuxième ou troisième en 93 en défendant notre coupe, quoi. Voilà, oui, c'est avec trois bateaux jaunes, tous marqués Corum. Ça a marqué pour la France, donc pour l'équipe de France, et ça a marqué les esprits, quoi. C'était la seule fois que la France a gagné l'Admiral's Cup. On va revenir sur aujourd'hui. Comment est-ce qu'on regarde la voile quand on n'est plus propriétaire d'un bateau ou qu'on est sur un bateau d'un ami, invité? On est là, on regarde? Ah non, on est partie prenante de toute l'histoire. Donc on travaille dur à bord et on nettoie le bateau quand c'est fini et on vit avec l'équipage. Oui, c'est tout à fait normal. On n'est pas là, on est invité, d'accord, mais on vient travailler. Alors vous faites tout le circuit quasiment, je vous vois pratiquement toutes les étapes du Panera et Classic Yacht Challenge. Vous êtes bientôt à Imperia, vous serez à Cannes, oui. Vous serez peut-être à Saint-Tropez. Pas toutes, mais j'essaye d'en faire 4 ou 5 sur les 10 ou sur les 8 vraiment en Méditerranée. Et donc la voile classique, c'est quelque chose, un support qui vous plaît? Ah oui, beaucoup. Ça, c'est une belle ambiance, c'est magnifique, on se fait beaucoup de plaisir, c'est sympathique, c'est très bien organisé par Panerai. C'est vraiment de beaux événements. Voilà. Vous êtes sur un bateau, donc je disais magnifique. Qu'est-ce qu'il a d'original, ce bateau? Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots? Bah, d'abord, il est dessiné par Ereshoff, qui est un des grands architectes de voile de l'époque. En 1916, il a fait ce type de bateau. C'est un bateau qui marche extrêmement vite par rapport à tous les bateaux qui existent. De sa classe et même dans les modernes, et il est juste extraordinaire, quoi. Et puis en plus c'est un auric, donc c'est quand même assez rare d'avoir un auric qui marche aussi vite. On parle quelle langue à bord?
On parle beaucoup le français, mais peut-être l'anglais. Le propriétaire est anglais. Autour de lui, on parle anglais. Il arrive. Et donc le propriétaire, lui, est un vrai fondu de voile. C'est... Ah oui, mais Graham, il a eu, je ne sais pas combien de bateaux. Il a eu tous ces bateaux ont gagné des courses, quoi. C'est un grand monsieur dans la voile. Et dernière question, l'univers de la voile. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour vous fondamentalement depuis, on va dire les années 90? Qu'est-ce qui vous semble le plus important aujourd'hui? Tout change, tout change. Et je pense pas qu'on puisse dire que c'était mieux avant ou mieux maintenant. Je pense que ça évolue, c'est une évolution constante. Et je pense que dans la voile, c'est merveilleux de pouvoir naviguer sur des bateaux de 1916 qui marchent aussi bien. Et aujourd'hui, il y a des super bateaux qui marchent très très bien, très très vite. Tous les bateaux modernes sont extraordinaires. Et puis ça reste quand même très professionnel. Hein. C'est vraiment une ambiance super pro. Hein. Très très professionnel. Ouais. Non, c'est bien. J'aime beaucoup. Merci Jean-René. Et puis bonne journée, bon vent, bonne navigation sur ce trophée Panerai de Mahon, qui fait partie également, je crois, de la Copa del Rey. Merci beaucoup Jean-René. Retour pour à bon port, toujours à Mahon sous le soleil, avec à mes côtés Andrea. Le nom c'est Lucicero, je crois. Ouais, t'as bien dit, Lucicero. Voilà, superbe. Équipier sur Chinook, c'est marqué. Le bateau qui est juste derrière nous. Un voilier classique sublime qui participe au Panerai Classic Yacht Challenge tous les ans. Et vous êtes un équipier, on va dire, moderne. Car vous venez de plusieurs cultures différentes. Alors je vois que vous avez un superbe tatouage sur la jambe droite, un tatouage maori. Ouais. Vous êtes très musclé, donc plus musclé en général que les navigateurs qu'on voit habituellement. Donc je crois que ça vient d'un autre sport qui est le... Le rugby, exactement. Donc votre vie, c'est un peu tout. Ouais, c'est, tu sais, après le rugby, il faut trouver quelque chose pour maintenir la tête... comment dire, en ordre. Et je crois que la voile, c'est le sport qui rassemble beaucoup le rugby. Donc, je suis embarqué ici, je fais cette compétition, je suis content parce que c'est vraiment un esprit d'équipe. Alors justement, le rugby, on revient un petit peu. Tu as participé au championnat de France, au top 14. Également, tu as fait partie de l'équipe nationale italienne. Tout à fait. Oui, je jouais au Racing Metro avec le président Jacques Lorenzetti, aussi passionné de voile. Et je fais top 14, je fais Coupe du Monde, 103 sélections pour l'Italie. Donc tu es grinder, ouais. Donc tu fais le moulin à café, c'est toi qui borde les voiles. Exact, au rugby, au voile, c'est toujours beaucoup de travail, beaucoup de, de coups. Et donc à bord, il y a un capitaine, enfin un propriétaire, un skipper, comment c'est organisé? Il y a un skipper, il y a un tacticien, mec, excusez-moi le français, la tactique. Il y a des autres personnes qui font des rôles différents. Après, il y a des grands qui sont des gens un peu costauds, qu'il faut qu'ils mettent beaucoup de force pour tirer les voiles. Et après, il y a des gens qui sont à la barre. Et après, il y a le propriétaire, exactement. Et le propriétaire, il participe aussi à la manœuvre? Oui, il essaie de participer, mais il a un problème. Donc, pour cette régate, il est à bord juste pour se regarder et donner quelques conseils. Et alors, qu'est-ce qui te plaît au-delà? Donc, c'est l'esprit d'équipe, mais est-ce que l'environnement, la mer, l'élément marin, la propreté, tout ça, ça te plaît, cet environnement? Il me plaît beaucoup, mais la chose qui me plaît encore plus, c'est quand on ferme le moteur. Et avec le vent, on bouge. Ça, c'est bien.
top. C'est génial. Et donc, on va terminer sur la voile. La voile classique, ça t'intéresse autant que la voile moderne? Tu aimes bien les deux? Tu es plutôt classique? Non, les deux, c'est le même esprit. Et je crois que c'est un sport assez formatif parce qu'il faut beaucoup de rigueur, comme le rugby. Et je crois que les deux, ils me plaisent à la même manière. Alors, on va terminer un peu sur tes autres activités, car tu es un homme moderne, je disais, donc tu penses toujours à l'avenir. Et donc l'avenir, c'est aussi la télévision, le cinéma, beaucoup de choses. Oui, j'essaie de mettre en place quelque chose. Ce n'est pas facile parce qu'on est dans un moment assez difficile, mais on essaie de se mettre en concurrence. Donc tu présentes des émissions de télé? Oui, je présente une émission de télé en Italie et c'est bien. Je suis content parce qu'il va très bien. Et donc, J'entends le moteur, il va falloir repartir, hein, ça c'est le moteur. Et dernière question, la voile, le rugby, le cinéma, la télé, quoi d'autre après? On verra. La vie est longue, j'espère. Et donc on verra qu'est-ce qui se passe. Grazie mille, Andrea. Merci. Bravo, hein. Bravo. Merci. Et puis continue. Merci. Bravo pour ce tatouage magnifique. On se retrouve très vite pour à bon port sur Men's Up TV pour de nouvelles aventures. Ciao.